Mireille reçoit son matériel de travail, un nouvel ordinateur portable et un engin à deux roues. Vous êtes verte ? Écolo ? Comme elle, d'autres techniciens spécialisés en maraîchage ont reçu le même matériel. Désormais, ils pourront mieux accomplir leur mission sur le terrain. Pour ce qui concerne la stratégie d'intervention au niveau du PASFRA, il est prévu un appui aux partenaires stratégiques de mise en œuvre pour pouvoir assumer la mission qui leur est confiée à travers des conventions et de partenariats. Je voudrais vraiment demander d'être au point, de démontrer à nous tous que s'ils sont recrutés, c'est parce qu'ils en ont la capacité. Le PROCAR, c'est deux projets. Le projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin, PADMAR, et le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés, PASFRA. Leur mise en œuvre permet au Bénin d'amorcer la révolution verte. Le PADMAR fait partie du programme cadre, un des projets du programme cadre, qui, aux yeux du gouvernement, est un projet très important, notamment pour le président Patrice Talon. Le programme maraîcher, qui au-delà du volet agronomique ou agricole, a un contenu nutritionnel, a un contenu qui permet d'aborder la qualité de notre alimentation. Les moyens qu'on met à votre disposition aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du tourisme agricole. Chers amis, chers collègues, je vais vous prier de faire très bon usage de ces matériels. Et pour mieux prendre le pouls de cette activité, le ministre Gaston Dosoui a parcouru quelques planches de Grande Morelle cultivées dans l'enceinte du PROCAR.